Bonjour à tous et bienvenue à la sixième séance de notre cycle de conférences Retour sur la médecine arabe et tunisienne, savoir, acteurs et pratiques du soin, organisé par le laboratoire Assilia Pola de l'université Mahmoud el-Madri. Alors, lire et relater une histoire des savoirs et des pratiques scientifiques et médicales, c'est inévitablement interroger l'émergence et la construction de ces savoirs dans un cadre politique, social, culturel, qui les définit, les nourrit, les conditionne. Dans l'histoire de la Tunisie colonisée, première moitié du XXe siècle, un personnage important, encore peu connu, illustre cette histoire croisée entre engagement savant et militantisme, entre une histoire politique et une histoire intellectuelle et scientifique. Il s'agit du médecin Selim Chedli, premier médecin aliéniste tunisien, c'est ainsi qu'on nommait les psychiatres à l'époque. À ce sujet, nous avons le plaisir d'écouter aujourd'hui le professeur Qmar Bendena, historienne, professeur d'histoire contemporaine à l'université de la Manouba, chercheur associé à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, qui propose de mettre en perspective l'itinéraire personnel et scientifique du docteur Selim Chedli au sein de son contexte historique, ici le contexte colonial, qui oriente, voire détermine la pratique et l'exercice de la médecine, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de psychiatrie, domaine qui concerne l'histoire de la médecine, mais qui reste très attaché à une histoire sociale et culturelle. Je remercie très chaleureusement le professeur Qmar Bendena de son aimable participation à notre cycle et je lui laisse la parole. Donc, bonjour à vous tous et à vous toutes qui écoutez ou qui regardez cette vidéo. Permettez-moi de dire d'abord que je suis très heureuse de participer à ce cycle de conférences consacré à l'histoire des savoirs médicaux, à celle des acteurs de la santé et des pratiques du soin en Tunisie et de Tunisie. Et merci donc Maïssa Bensaad, qui est l'initiatrice de ce cycle, de m'avoir associée à une entreprise qui me semble importante à développer en Tunisie, celle d'étendre la discipline historique à de nouveaux terrains pour poser des questions d'un autre type, ouvrir des pistes de recherche qui permettront de croiser des liens avec les différentes facettes de l'histoire tunisienne dans le but justement de faire avancer la connaissance de cette histoire et de la restituer avec plus de complexité et plus de profondeur. Donc, d'un commun accord avec Maïssa et conformément à ma spécialité d'histoire contemporaine, nous avons décidé de réserver cette sixième séance du cycle à une personnalité méconnue du XXe siècle tunisien, le médecin Selim Chedli. Je dois vous dire que je me suis reposée beaucoup sur des travaux qui sont déjà de seconde main et le mien essaiera de synthétiser et de glaner des informations et des connaissances afin de dérouler pour vous la vie d'un des premiers représentants tunisiens de la profession médicale à l'époque du protectorat. Vous le savez, à l'époque du protectorat, le nombre des médecins était très limité et la profession médicale ne se développera qu'après l'indépendance et la formation locale quand la faculté de médecine sera créée en 1964. Donc, je m'appuierai essentiellement pour ce travail sur une biographie détaillée élaborée par la fille de Selim Chedli, Hela Chedli, qu'elle a publiée à Tunis en 2014. J'ai également pu profiter en 2013 de deux manifestations scientifiques qui ont eu lieu en 2013, justement, l'une à la Fondation Temimi pour la recherche. Et puis l'autre, c'était une journée d'études à l'hôpital Razi. Et ces deux manifestations que j'ai suivies m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur une figure de la médecine tunisienne, doublée d'un militant anticolonial, courageux, obstiné et méthodique. J'ai également repris beaucoup d'informations et de recoupements dans les apports d'une journée d'études que j'ai organisée avec mon collègue Habib Belaïd en février 2015, sous le titre « Psychiatrie et colonisation, France Fanon et Selim Chedli » à l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine à l'Université de la Manouba, mon université. Et parmi les textes issus de cette rencontre entre médecins et historiens, la rencontre de février 2015, il y a un article signé du docteur Sdir Jeddi, un psychiatre, qu'il a publié dans la revue Rawefd de l'Institut et qui porte sur la façon dont Selim Chedli a fait face
au magistère de la profession et j'ai tiré beaucoup de compléments éclairants et des recoupements historiques intéressants de ce texte. Alors, côté archives, parce que je suis historienne et que je ne peux pas ne pas en parler, j'ai dit plus haut que Selim Shedd était un militant anticolonial, courageux, obstiné et méthodique. Et la documentation riche et classée que sa famille a retrouvée dans son cabinet de consultation atteste justement de cet esprit méthodique. Sa fille et biographe, Hella Shedi, est partie des traces constituées de son vivant par lui-même. Les dossiers, des rapports, des lettres, des articles de presse ont été récupérés par sa famille après sa mort, survenue le 11 juin 1954. Et toute cette documentation a servi de noyau et de base au travail d'enquête historique que Hella Shedi a entrepris et qui s'est étendu à d'autres fonds d'archives publiques, les Archives nationales de Tunisie, le Centre des archives de Nantes, les hôpitaux tunisiens et aussi à des archives privées dans la famille ou chez des personnalités qui l'ont côtoyé. Alors, l'ouvrage de Hella Shedi s'appelle « De l'ombre vers la lumière » et il s'est également appuyé sur des témoignages oraux et écrits glanés en Tunisie, en France et aux États-Unis. C'est une recherche de plusieurs années, une patiente recherche de plusieurs années qu'elle a menée. Donc, sur la base de ce matériel documentaire, je vais relater pour vous la biographie de Selim Shedi en 4 volets qui me semble résumer la personnalité du médecin tout en éclairant les conditions historiques dans lesquelles s'inscrivent ses choix, ses actions et son devenir. En fait, je vais faire une sorte d'histoire politique sur une condition sociale entravée par cette histoire politique, mais aussi d'un idéal qui a pu quand même s'ancrer un peu dans la réalité de Selim Shedi. Donc un plan en 4 parties. Qui va résumer un peu les étapes de cette vie. Je commencerai d'abord par l'enfance et l'adolescence pour vous parler d'un natif de Monastir doué pour les études. C'est un peu comme ça que j'ai résumé la première partie. Selim Shedi, né à Monastir en 1896. Il est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Dans une famille citadine et de conditions moyennes. Il entre à l'école franco-arabe de Monastir en 1904 et il accomplit son cycle primaire avec de bons résultats scolaires qui lui donnent l'opportunité d'obtenir une bourse après son certificat d'études primaires passé en 1910. Il peut ainsi s'inscrire au collège Sadiki pour ses études secondaires. Et ce début d'itinéraire de succès lui permet de rejoindre par la même occasion une pépinière de Tunisiens sélectionnés pour accomplir des études tout en étant pensionnaire à Tunis. Je crois que sa promotion compte à peu près 40 internes à Sadiki. Alors Selim Shedi continue sur cette lancée, passe avec brio le diplôme d'études secondaires de Sadiki. Avant de suivre les cours du lycée Carnot en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Et ces cours du lycée Carnot sont une voie de sortie vers le baccalauréat qu'il espère passer. Donc, ce lycéen doué a rencontré entre-temps des amis, dont Habib Bourguiba, un peu plus jeune, Mahmoud Matri, à peu près contemporain. Et il s'est ouvert aussi sur les idées et sur la philosophie. Il s'est mêlé au débat de sa génération, cette génération qui a vécu le soulèvement de Tel de 1906, les événements du Jalès des 7 et 8 novembre 1911, les troubles du boycott du tramway en 1912. Alors, tous ces soulèvements sont les premiers signes, justement, de protestation populaire, rurale ou citadine, contre le protectorat français, qui étend sa domination depuis 1881 avec l'accaparement des terres tribales et avec la colonisation agricole, avec aussi la loi sur la propriété foncière, etc. Et donc, tous ces troubles, n'oublions pas, éclatent aussi, c'est le contexte mondial, à part la Première Guerre mondiale, tous ces troubles éclatent sur fond de conflits guerriers entre l'Italie et les forces ottomanes en Tripolitaine.
Et donc, chacune de ces émeutes est durement réprimée et l'état de siège est décrété, les journaux sont suspendus, des meneurs sont emprisonnés ou exilés et les condamnations se multiplient. Donc, véritablement, un climat chaud, si je puis dire, dans lequel vivait justement ce jeune Sadikia. Entre-temps, la pensée politique et intellectuelle se sculpte à travers les différents apports et les différentes influences qui nourrissent la jeunesse de l'époque, instruite ou pas du reste, ainsi que les milieux cultivés, qu'ils soient d'obédience zaytounienne ou de formation bilingue. On pense en particulier aux jeunes Tunisiens comme Ali Bachamba, comme Abdjelil Zaouj ou Béchir Sfar, les fondateurs du journal Le Tunisien en 1907. On pense également à l'émergence d'une personnalité atypique, comme celle de Abdelaziz Thalbi, un zaytounien hors norme, si vous voulez, qui va créer en 1920 le premier parti tunisien qui s'appelle le Destour. Donc, 30 ans environ après l'installation du protectorat en 1881, l'espace politique et intellectuel commence à se dessiner entre mobilisation et répression. Et dans ce bouillon politique, le jeune Selim Chedli, qui a 21 ans, en 1917, a également acquis, grâce à ses performances scolaires, une assurance sur ses capacités intellectuelles à une époque où faire des études est un privilège rare, surtout quand on vit dans un pays colonisé et que l'on n'appartient pas aux classes privilégiées. Donc, il va poursuivre ses différents apprentissages en partant en France, ce qui me permet d'aborder la deuxième partie, celle de la vie d'un étudiant et d'un médecin tunisien en France et de tout ce que lui apporte cette vie comme apprentissage divers. Selim Chedli obtient son passeport en décembre 1917. Il part en France pour préparer les épreuves du baccalauréat en vue d'entamer des études de médecine. Il atterrit à Bourg-en-Bresse, où il devient surveillant d'internat dans un lycée, puis il s'inscrit dans les cours du baccalauréat dans un établissement à Thonon, pas loin de la frontière suisse. Et il exerce dans ce même lycée comme répétiteur. Son éducation politique évolue avec la conjoncture. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale et il est vite repéré, ça se voit dans les archives, par ses propos hostiles à la France, dont la victoire en 1918, ne présage pas, à ses yeux, d'une libération de la Tunisie. Il écrit une lettre le 21 janvier 1917 au président Wilson, auteur des principes de base du traité de Versailles et de la Société des Nations, venu inaugurer à Paris la conférence de la paix. Et un des points les plus célèbres qui a beaucoup marqué les générations de l'époque, c'est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, le jeune étudiant idéaliste et légaliste accompagne cette lettre à Wilson d'un ouvrage qui dénonce les abus coloniaux. Il s'agit de La sueur du Burnous de Paul Vignier Docton. Et dans cette lettre, il revendique, selon ses principes, la représentativité de la Tunisie à la Conférence de la paix et réclame le droit à l'émancipation. Donc, parallèlement à cet activisme très légaliste et du reste très posé et très raisonnable, il passe son baccalauréat en juin et déménage à Lyon, échappant ainsi à des mesures de surveillance et une décision de renvoi de son poste qui parvient trop tard. Donc, il passe un certificat d'études de physique et de chimie à Lyon, puis il part à Paris pour commencer en 1920 à l'Institut de médecine coloniale, un diplôme qui s'achèvera en 1926. Juste après ce diplôme, il choisit la psychiatrie, qui est une spécialité plutôt rare à l'époque. Mais je pense qu'il est probablement très sensible à la condition des malades mentaux en Tunisie. On sait que ce sont des malades sous-traités, que justement ils sont souvent errants dans les rues. Il sait qu'il y a beaucoup de suicides et il est très. Et sur ce plan, l'infrastructure en Tunisie est très limitée
Et la misère des personnes atteintes par ces pathologies est visible. En tout cas, quelqu'un de sensible comme lui a dû être extrêmement influencé dans son choix de la psychiatrie par cette vision de ces maladies sociales très lourdes. On le sait aussi au congrès de psychiatrie coloniale qui s'est tenu en 1912 à Tunis, et Selim Chehdi était encore jeune élève à Sadiki. La question de l'hospitalisation et des cadres d'hospitalisation est soulevée. Et Selim Chehdi, à mon avis, probablement informé de cette conjoncture, prépare l'Institut de médecine légale et de psychiatrie, prépare à l'Institut de médecine légale et de psychiatrie une thèse qui va durer 3 ans, avec des stages à l'hôpital Sainte-Anne, tout en suivant des cours de sciences politiques. Donc toujours cette imbrication étroite qui va se voir et qui va s'accentuer dans ces années parisiennes, qui croise à la fois l'apprentissage de la médecine et de la politique. Et ces deux lignes se croisent très fortement dans la fabrication de sa personnalité et dans l'élaboration de ses choix. Dans son cercle d'amis, étudiants comme lui, naît l'idée à Paris, naît l'idée de créer une association pour aider les étudiants nord-africains à affronter les difficultés de l'insertion, les problèmes matériels et puis d'autres misères sociales et psychologiques qui les touchent comme jeunes étudiants venant des pays colonisés. C'est à ce moment-là que le statut de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, l'AEMNA, est constitué. Et au cours d'une AG du 11 décembre 1927, Selim Chehdi est élu président de l'AEMNA. Il a autour de lui d'autres Tunisiens, dont Tahar Sfar, un tout petit peu plus jeune, je crois, et puis les médecins aussi, ou en tout cas, ou résidents ou étudiants, Ahmed Ben Millet, Tahar Zaouj, Chedli Bromba. À l'époque, je l'ai dit, Selim Chedli était interne à l'asile des Alignés de Sainte-Anne. Et en même temps, une thèse soutenue en 1926 à la faculté de médecine d'Alger porte le titre L'impulsivité criminelle chez l'indigène algérien. Vous voyez au titre combien ce travail véhicule un contenu raciste qui dévalorise les populations nord-africaines à l'époque et prolonge la théorie coloniale de la psychiatrie développée par Antoine Porot. Antoine Porot est un médecin aliéniste, comme on disait à l'époque, qui a exercé à Tunis, à l'hôpital Charles-Nicolle, dans ce qu'on appelle le pavillon des nerveux. Et il développe avec ses différents élèves, surtout à la faculté d'Alger, parce qu'il va après se déplacer à Alger, une théorie coloniale de la psychiatrie et de la psychologie indigène. Antoine Porot parle même de psychiatrie musulmane en s'appuyant sur des arguments neurophysiologiques. Et on peut se poser la question de savoir si les échos de ces travaux racistes, si vous voulez, et puis chargés de mépris, n'ont pas favorisé la mobilisation des étudiants nord-africains en France, qu'ils soient d'ailleurs en médecine, en droit, en littérature ou en langue. Il les a mobilisés contre une psychiatrie coloniale méprisante, qui veut démontrer que, par exemple, que les Algériens autochtones étaient des criminels par impulsion et que cette impulsivité criminelle tient en grande partie à la race. Et donc, l'engagement politique de Selim Chehdi s'incarne à la fois dans un travail associatif de réflexion critique et puis d'organisation aussi, mais il s'incarne aussi dans une sorte de lutte, si vous voulez, contre la vision d'une psychologie indigène érigée de plus en plus en théorie scientifique par des travaux justement de médecins venant de partout et surtout exerçant en terre colonisée comme en Algérie ou en Tunisie. Et on s'aperçoit, et ça c'est une petite, comment dire, un petit pédalage rapide
le futur, on voit que 20 ans plus tard, dans les années 50, un autre psychiatre, ayant exercé d'abord en Martinique, mais aussi en Algérie et en Tunisie, se dressera comme son prédécesseur Selim Chedli contre ces dangereuses théories. Je veux parler de Frantz Fanon, qui a vécu 5 ans en Tunisie et qui a effectivement combattu les thèses d'Antoine Porro et compagnie. Alors, pour revenir à Selim Chedli, il soutient sa thèse en juillet 1929 et son combat va prendre une autre allure, son combat contre la psychiatrie coloniale, parce que, et puis surtout va prendre d'autres facettes parce qu'il va aller en Tunisie, il va retourner en Tunisie parce qu'il est appelé en 1934. Après un court exercice de la profession médicale à Paris, entre 1930 et 1934, dans un cabinet à La Rochefoucauld, dans la région de Charente. Au cours de ces 4 ans, Selim Chedli rentre en Tunisie pour un court séjour, il se marie, retourne à Paris avec son épouse et le premier enfant du couple naît à Paris en 1933. En fait, le résident général de France à Tunis fait appel à Selim Chedli en 1934 pour occuper un poste de médecin à l'hôpital des maladies mentales de la Manouba. Et ce sera un autre épisode de la vie professionnelle de Selim Chedli, où il va affronter par d'autres biais, justement, à la fois l'establishment colonial, mais surtout l'establishment de la profession médical. Donc, de retour en Tunisie en 1934, il continue, n'oublions pas que 1934, c'est la date de création du néo-destour, dont Selim Chedli va être un acteur de premier plan. Donc, il continue à associer donc, cette action nationaliste à sa profession de médecin psychiatre, membre du bureau politique du néo-destour et aussi fondateur d'une autre association, l'association des scouts tunisiens musulmans à Tunis, qu'il va fonder en 1936. Et là aussi, dans cette association, après la MNA, c'est un terrain d'affrontement colonial sur le plan associatif, comme on pouvait le faire à l'époque, parce qu'il était déjà dans le parti du néo-destour, mais il avait aussi cette action anticoloniale au sein de cette association de scouts. Selim Chedli est donc à cette époque non seulement le premier psychiatre tunisien, il est aussi le premier médecin tunisien à assurer des fonctions de direction d'un hôpital sous le régime colonial. Cela ne va pas sans de gros déboires, des affrontements très violents et des conflits en série. Dans le difficile exercice de ce médecin aliéniste tunisien face à la violence coloniale, justement, il va y avoir trois au moins étapes très pénibles pour lui, qui sont des étapes quasiment de persécution par l'administration en 1936, en 1944 et en 1948. Et les conflits du docteur Selim Chedli, alors psychiatre à l'hôpital des maladies mentales de la Manouba, l'actuel hôpital Razi, avec le corps des psychiatres français, apparaissent au grand jour dès 1936. Ces conflits, notamment ceux avec le docteur Maréchal, sont à l'origine de son exclusion à deux reprises de ses fonctions en 1936, juste 2 ans après avoir été recruté. Il revient en 1944 à l'hôpital des maladies mentales de la Manouba et en mai 1945, il assure l'intérim de la direction de l'hôpital des maladies mentales dans ce même hôpital, à la place du docteur Reynaud, parce que l'hôpital n'avait pas de directeur. Et il sera obligé de quitter l'hôpital parce qu'il a fait, alors a fait un rapport qui aura déplu aux autorités médicales et politiques. Donc, il faut inscrire ces péripéties à l'hôpital des maladies mentales de la Manouba dans le contexte agité de l'époque et dans le travail militant et activement anticolonialiste. Comme je vous l'ai dit, il était dans le Destour, dans le mouvement des scouts. Selim Chedli, pour ça, était à la fois visible, jouait franc jeu et
s'exposer beaucoup justement à cette inimitié active de ces confrères qui ne supportaient pas ce médecin tunisien et qui ne supportaient pas aussi probablement le sentiment d'égalité avec ce premier médecin tunisien. Donc pour lui, sur le terrain de l'action, la psychiatrie coloniale est à l'image du pouvoir, négatrice et discriminatoire. D'un côté, il y a le refus du docteur Georges Perrucel de sa nomination. Donc, il a mis à peu près 2 ans à pouvoir véritablement réintégrer par un texte officiel son poste. Le docteur Maréchal, Pierre Maréchal, lui, conteste ses compétences, alors que lui-même, il a des méthodes qui, aux yeux de Selim Chedli, ne sont pas très morales, si on peut dire. Je veux dire, c'est quelqu'un qui utilise les électrochocs, par exemple, qui fuit son poste entre octobre 1942 et décembre 1943. N'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle l'occupation de la Tunisie entre les deux, etc. Et le comble, ça va être qu'en 1946, à la suite des massacres de Zalamdin, il fait un rapport qui n'exclut pas la responsabilité des gendarmes qui ont tiré sur la population. Donc, pour les autorités, c'est un acte inacceptable, alors que pour Selim Chedli, qui a la vocation de la médecine et qui a aussi en lui cette rébellion anticoloniale, il se trouve dans des situations de violence coloniale dans lesquelles il essaye d'intervenir en tant que médecin. Il essaye, il est pour un usage humaniste de la médecine, alors que les médecins aliénistes en poste refusent de voir un colonisé, comme on dit, conquérir une situation égale et mobilisent les moyens administratifs et légaux à leur disposition. Donc, Selim Chedli a payé le prix d'une connivence entre l'armée, l'administration coloniale et la psychiatrie coloniale, en fait, entre les chefs militaires et les psychiatres coloniaux. Encore une fois, je rappelle le contexte politique parce qu'il n'est pas anodin et parce que c'est lui aussi qui justifie que la violence coloniale s'exprime aussi sur ce terrain de la psychiatrie en Tunisie. Depuis 1934, n'oublions pas que la Tunisie entre dans une autre phase de son évolution économique, sociale et politique, la phase du règne de Moncef Bey, qui est un Bey exilé, la fondation du mouvement syndicaliste en 1946, et Selim Chedli et de la partie est tout à fait visible. Et puis les événements de Zalamdin, justement, de juin 1946, où il prend scientifiquement parti, puisque au lieu d'absoudre les tireurs, les gendarmes tireurs, au contraire, il juge qu'ils ont une part de responsabilité dans leurs actes. Donc on voit que toute cette vie un peu agitée par l'idéal, à la fois l'idéal de justice, mais aussi un idéal patriotique, si vous voulez, est très très difficile à vivre dans cette Tunisie colonisée où Selim Chedli est rentré pour exercer son travail de médecin. En fait, et j'en arrive peut-être à la dernière partie, pour dire que alors qu'on a vu qu'entre 1944 et 1945, quand il avait l'intérim, par exemple, de l'hôpital des maladies mentales qu'il a dû assurer, il a introduit, par exemple, de nourrir à l'huile d'olive crue les malades les plus démunis. Il a essayé aussi d'acheter pour eux des vêtements, des kadrouns pour les protéger du froid. Enfin, il avait une approche de la santé qui était une approche extrêmement humaine et près du bien-être et du soin envers ces malades. Donc, il a fait un travail assez sensible du point de vue des résultats dans cet hôpital des maladies mentales, dans lequel il est rentré du reste et pour lequel on lui a proposé un poste
parce qu'il connaissait l'arabe et qu'il n'est pas possible de faire de la psychiatrie coloniale sans connaître la langue des malades. Et c'est un peu pour ça qu'il a pu un peu forcer. Et je pense que cette nécessité qu'il y a eu de recruter un médecin tunisien a beaucoup, beaucoup irrité ses collègues français qui, justement, à cause de la langue, étaient un peu coupés des malades et de leur écoute, parce que c'était ça aussi qui était nécessaire dans l'exercice de la psychiatrie, plus que, ou en tout cas, plus que les médicaments ou les mesures un peu brutales qui étaient encore de rigueur à l'époque, je parle en particulier de l'usage des électrochocs qui commençaient à être petit à petit contestés comme méthode thérapeutique. Donc, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu s'opposer aux méthodes médicales et méthodes coloniales et qui a fait de la médecine un terrain de lutte contre la ségrégation. Ce qui me rappelle une phrase de Jean-Paul Sartre, qui est justement dans la préface à l'ouvrage de France Fanon, Les damnés de la Terre, qui a été écrit à Tunis par France Fanon et préfacé par Jean-Paul Sartre. Cette phrase dit « Cette violence coloniale, contre laquelle donc lutte entre autres Selim Chedi, ne se donne pas seulement le but de tenir en respect ces hommes asservis, elle cherche aussi à les déshumaniser. » Et le combat, je pense, de Selim Chedi, c'était justement d'humaniser la psychiatrie. Et donc, quand il va rentrer en Tunisie, il va par exemple s'opposer à beaucoup d'expérimentations, par exemple l'expérimentation sur les poux, pour laquelle on ne demandait même pas leur avis, les malades, par exemple, mentaux, pour essayer de faire des observations sur eux. C'était une sorte d'abus d'usage sur les personnes que Selim Chedli a essayé de combattre en tant que responsable et sur le terrain. Je pense qu'il a beaucoup contribué justement par ce travail de terrain, par ce travail de proximité avec les malades, à faire évoluer, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas les mutations de l'hôpital psychiatrique en Tunisie, mais toutes ces actions ne valaient pas le coup pour ses confrères. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, puisqu'il refusait justement cette confraternité, qui de toute façon ont monté contre lui une véritable cabale administrative, jusqu'à ce qu'il soit radié de l'ordre des médecins en 1950. Et cet ordre, justement, qui est un ordre, comme tous les ordres, un ordre aussi de pouvoir, entre les mains des médecins français, qui étaient alors majoritaires dans le pays, dans un pays encore colonisé. Alors, pour conclure, je pense que j'ai essayé de vous présenter à très grands traits une personnalité qui fait partie de la deuxième génération de médecins tunisiens qui ont exercé pendant la période du protectorat en Tunisie. Et je pense que j'ai essayé de vous communiquer un peu de la souffrance et de la solitude de cet homme, qui est un premier, justement, le premier psychiatre. Donc, il n'y a pas de solidarité encore dans le milieu avec lui, puisqu'il n'a pas encore de confrères tunisiens de la même formation. Et il va mourir en 1954, 2 ans avant l'indépendance, en pleine effervescence armée en Tunisie, dans beaucoup de souffrances et, à mon avis, un sentiment de solitude très grand. Je pense que, pour résumer un peu cette personnalité de Selim Chedli, moi je la résumerai en disant un médecin légaliste face à une violence et des abus qui étaient encore trop grands pour lui, parce que la situation politique ne lui permettait pas de faire face tout seul à tous ces obstacles, à toutes ces haines, il faut le dire, parce qu'il y avait aussi une sorte de haine entre les autres médecins et lui. Donc c'est quelqu'un qui a dû
effectivement affronter un peu toute cette ambiance de plus en plus chaude. On s'approche un peu de l'indépendance, les heurts, les affronts. Je pense qu'il est parti en 1954, encore assez jeune, à 60 ans, par une crise cardiaque. Et je pense qu'il a dû beaucoup, beaucoup souffrir de cette atmosphère coloniale et violente qui s'est exercée à dû faire beaucoup de mal à sa psychologie. Voilà, je vais finir là pour essayer de pour essayer de d'ouvrir sur, à mon avis, beaucoup de pistes de recherche que j'ai redécouverte en préparant cette conférence, pour que l'histoire de la médecine en général et de la médecine coloniale en particulier connaisse encore beaucoup de travaux. Il y en a quelques-uns, mais je pense qu'ils sont assez insuffisants pour qu'on aille vers, par exemple, une histoire des hôpitaux, une histoire aussi de l'enseignement médical, même s'il y a un ouvrage de Frege Schädli, mais je pense aussi qu'il y a encore beaucoup de travaux qui pourraient être faits. Une histoire aussi des différents ordres des médecins, parce que ce sont des instances de pouvoir et de réglementation de la profession qui me semblent très intéressantes à étudier. Et puis aussi d'essayer de comprendre quels sont les codes de déontologie médicale en Tunisie, leur genèse et leur évolution. Parce que sans ces codes et sans cette déontologie, on ne peut rien comprendre à l'exercice et à la profession de médecin dans un temps donné. Et la pandémie que nous vivons est la preuve que tant qu'on ne règle pas et qu'on ne connaît pas les bases déontologiques de la profession des médecins, il manquera toujours quelque chose à la compréhension de ce qui nous arrive et surtout à l'action pour qu'on se sorte des problèmes de santé publique qui se posent à nous encore aujourd'hui en Tunisie. Merci beaucoup.